Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Mohamed Bakri et aujourd'hui, on va apprendre les pronoms sujets en arabe égyptien. Il y a deux groupes de pronoms sujets, le singulier et le pluriel. Le singulier, c'est il y a Ana, Ana, c'est je, Ana. Ana, je. Inta, c'est un kasra. Inta, inta et ce petit rond, c'est un sukun. Donc le nun, il n'y a pas de voyelle ici. Inta, il y a comme une pause. Inta, inta, c'est tu, c'est masculin. Si vous parlez à un homme ou à un garçon. Inti, inti. Enti, c'est tu, c'est féminin. Howa, howa, c'est il, c'est howa. Donc il y a un shadda, shadda, ce petit W, howa. Et c'est un fatha, bien sûr, howa. Heya, c'est elle, heya. Le deuxième et le dernier groupe de pronoms sujets, c'est le pluriel. Ihna, ihna, c'est nous, ihna, c'est ha, ihna, nous. Into, into, c'est vous, masculin et féminin, into, into. Et le dernier, c'est humma. Humma, c'est il et elle. Humma, humma. J'espère que ça a été clair et utile pour vous. Merci pour l'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.